Le nombre de librairies indépendantes n'a jamais été aussi élevé en 8 ans au Québec. Il y a plus de librairies aujourd'hui qu'en 2015. L'Association des libraires du Québec en dénombre environ 160. 2021 a même été une année record avec 8 ouvertures. Depuis 2015, on constate une hausse d'environ 9 %. Disons une lente remontée. Un constat qui fait du bien après une vague de fermeture au tournant des années 2010. Avec l'émergence du numérique, l'industrie du livre est en déclin. Des fermetures qui marquaient la fin d'un certain âge d'or, mais qui ont permis à une nouvelle génération de libraires de prendre le relais. Je dirais que les structures ont changé aussi. Ce sont souvent de petits espaces. Sont souvent très impliqués dans leur quartier. Les livres côtoient maintenant des légumes bio ou des comptoirs à café dans certaines librairies. C'est l'histoire d'enfants qui sont admis dans une école. Chantal Savoie fait partie de cette nouvelle génération de libraires. Après une carrière de scientifique, elle a ouvert sa librairie en 2018 à Québec. C'est un projet que j'avais depuis à peu près 25 ans. Ici, on est une librairie café, donc on n'est pas une simple librairie, on est un lieu où les gens aiment se retrouver, aiment venir lire ou discuter ou étudier. L'attachement de la clientèle au livre papier, elle le constate chaque jour. Tout le monde a eu un peu peur de savoir si le livre papier allait perdurer. Et il perdure. Le livre numérique complète finalement l'offre. On s'est toujours suivi depuis qu'elle a sa librairie. Puis, comme je dis à beaucoup de mes amis, c'est ma libraire. Pour moi, c'est mon halte de paix. Le défi général, je pense, d'une librairie, en tout cas de ce que je peux en voir avec la petite expérience que j'ai, c'est de l'emmener en rentabilité. On l'a dit, c'est pas simple. Ça prend une bonne dose d'énergie, de persévérance et puis de cœur. Malgré ces défis, Carl Fortin demeure positif. Ce qui est très positif pour nous, c'est qu'il y a une relève, puis il y a aussi beaucoup de jeunes qui ouvrent des librairies. Signe que les temps changent, son association a récemment offert une formation pour les libraires qui souhaitent se faire connaître sur le réseau social TikTok. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, Québec.